Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Gaming's Room. Et j'espère que ce coup-ci ça va marcher. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur la bêta de For Honor. Et je vais vous confier un secret, c'est déjà la troisième tentative d'enregistrement de vidéo. Presque quatre. Hier, une vidéo d'1 heure qui a planté, enfin, inutilisable. Cet après-midi, premier essai où. Bah, ça allait pas. Deuxième essai où ça allait pas non plus, où le wifi a sauté. Donc c'est le quatrième try. J'espère que ce sera la bonne. J'ai envie de vous présenter ce jeu, enfin du moins sa bêta. Hein? Pour la petite histoire, alors, For Honor, c'est un jeu dont on entend parler depuis pas mal de temps déjà, au moins plus de 2 ans. Parce qu'il était à l'E3 2016 et à l'E3 2015. Personnellement, j'ai eu la chance de participer au test technique à la bêta fermée et d'y jouer également à l'occasion de la Paris Games Week sur le stand d'Ubisoft. Ils avaient pris un petit groupe où on s'était fait en 4 contre, on s'était fighté en 4 contre 4. Après, bien sûr, qu'on nous expliquait les règles. Donc voilà, moi, c'est un jeu que je surveille, que je suis depuis le début. Qui m'intéresse et en quoi ça consiste, et eh bien je vais vous montrer. On va commencer par la map, elle est pas à jour tout de suite, ça va, c'est dans 4 heures. Bon, ça a bien changé encore. Voilà, alors For Honor, c'est 3 races. On va dire que 3 grandes classes. Les chevaliers, les vikings et les samouraïs qui se disputent le contrôle du territoire, comme vous pouvez le voir sur la map. Nous avons alors les samouraïs en vert, les vikings en rouge et en jaune les chevaliers. Et vous avez différents modes de jeu. Ici, on a Duel RX, Dominion, le match à mort. Et il y a des événements aussi. Ça, on y reviendra peut-être plus à partir du 14 février quand le jeu sera sorti en entier. Hein, pareil, il y a des contrats et compagnie. Ça, on verra plus tard. Sur une vidéo où il y aura plus de. Une série de vidéos où il y aura plus de chances de présenter quelque chose. Et l'objectif, par exemple, à ces différents objectifs, dominion, ça va être qui domine le plus sur la partie, c'est-à-dire que vous avez une map, un point de départ pour chaque équipe de chaque part de la map, et 3 zones, et celui qui contrôle le plus les zones tout au long de la partie, bah, c'est lui qui va le remporter. Il y a un système de match à mort, etc. Pas de match à mort, de mort subite et tout, bah, on le verra si j'arrive à lancer une partie en ligne. Et donc voilà, c'est les histoires de contrôle. Il y a aussi un, je crois, hein, normalement il devrait y avoir un mode, une sorte de campagne qu'il ne doit pas y avoir ici, ou alors je sais pas du tout où ils l'ont rangé. Et du coup, ouais, non, c'est pas forcément, c'est pas là. Qu'est-ce que je disais, moi? Ah oui, et du coup, je ne sais pas si elle y est vraiment ou pas, enfin bref. Et en gros, le but du jeu ultime, c'est de faire que votre classe, que ce soit le chevalier, le viking ou le samouraï, domine la map. Voilà. Pour l'honneur. Alors, sur les 3 premiers essais, j'avais montré quelques trucs sympathiques au niveau des héros. Je vais les remontrer, de toute façon, vous n'étiez pas là. Alors voilà, nous avons donc les 3 grandes classes avec différentes sous-classes: gardien, tank, assassin, gardien, tank, assassin et gardien hybride assassin. Voilà, vous pouvez les débloquer les lignes du milieu et lignes de droite avec des monnaies. Moi j'en ai 590 actuellement, elles sont ici, là, vous voyez, hop. À partir de ce menu là où on est, on peut évidemment améliorer nos personnages.
Comme vous pouvez le voir, mon viking, il est un peu plus badass que je l'avais fait au début, ne serait-ce que par le casque. Mon casque est tête de mort. Et vous pouvez personnaliser chaque partie. Alors vous avez la personnalisation de l'apparence. Alors vous avez diverses tenues, vous pouvez débloquer au fur et à mesure, soit en les achetant, ou alors en... Il y a des trucs d'élite, des mythiques et des réputations. Vous voyez celle-là, en obtenant une tenue au niveau de réputation 4, etc. C'est en fonction de ce que vous arrivez à faire sur le jeu. Vous pouvez changer le sexe, homme ou femme. La couleur de peau. Là, si vous voulez faire un viking africain, vous pouvez... hop, on peut choisir le tatouage de notre dos. On ne voit pas bien, mais si on voit bien, ça va. Enfin là, c'est un peu caché par la natte et puis par la corde du stuff. Et vous pouvez changer aussi le tatouage sur l'épaule, sur les brassards. Vous pouvez changer votre étendard. Moi, j'ai mis l'écusson que j'ai créé au début. Oui, d'ailleurs, au début, on vous fait choisir votre la faction que vous voulez, c'est-à-dire viking, chevalier ou samouraï. Et ça à vous de choisir laquelle vous voulez pour représenter. Mais ça vous empêche pas d'incarner, évidemment, un chevalier, etc. Pendant les parties, si vous avez pris, admettons, autre chose. Alors, là on passe dans la personnalisation du stuff, hein, les brassards, le haut, le pastron et les armes. Oups. Par exemple, là j'ai débloqué un pommeau apparemment. Donc, tout est rangé ici. Ça j'ai déjà équipé. Le pommeau c'est celui-là, mais il est pas top. Enfin, ça enlève de la distance de projection. Il l'attaque en mode vengeance, donc à voir. Je sais pas encore comment on gère les stats exactement, il faudrait que je regarde des guides. Pareil. Et donc vous gérez tout ça à partir d'ici. Et vous pouvez récupérer des objets en achetant des coffres. Pack premium, pack d'armes, pack d'armure ou un pack de base. Avec les mêmes monnaies dont on a parlé tout à l'heure qui sont là. Quand vous avez des doublons dans vos inventaires, quand vous cliquez dessus, vous pouvez démanteler, ça vous donne des monnaies. Ces monnaies-là, ça permet d'améliorer après les pièces que vous avez équipées. Vous voyez, améliorer, il m'en faut 40 plus les monnaies de tout à l'heure du haut. Donc voilà, vous avez évidemment, je vais revenir un peu en plus en arrière, voilà, vous avez... le cercle là c'est pour votre XP avec votre niveau au milieu. Tiens, puisqu'on est dans l'interface, ça c'est votre crew, enfin votre crew, votre équipe, votre si vous voulez vous jouer avec vos potes, vous pouvez être jusqu'à 4. Donc voilà, la boutique, ouais, pas besoin, le social c'est pareil, les options pas besoin non plus. Bah écoutez, ce qu'on va essayer de faire c'est de se faire une partie. Hein. Ah oui, j'oubliais. Alors, on va revenir sur la map. Ça se joue en saison. C'est-à-dire que il va y avoir des saisons qui durent 5 manches. 5 manches qui chacune durent une quinzaine de jours. Bon, là, ça ira pas jusqu'à la fin de la manche, évidemment, puisque demain soir ou lundi matin, la bêta s'arrête. Mais ça va reprendre tout de suite à partir de... à partir du 14, donc ça voilà. Ensuite, donc oui, je disais, pardon, chaque fin de saison, évidemment, on voit laquelle des trois factions a gagné. Il y a des récompenses en fond. Si vous êtes bien dans l'eau, si vous avez bien joué dans votre faction, si vous avez participé à l'effort ou pas. Ensuite, de manière régulière, pendant tous les jours. La map est mise à jour, c'est-à-dire en fonction des scores qui sont effectués. Là par exemple, elle sera mise à jour dans 4 heures, un peu moins de 4 heures. Et ce qui veut dire que pour le moment, le territoire des chevaliers en jaune
va prendre plus 8 points, donc va s'agrandir. Celui des samouraïs ne bougera pas, alors que celui des vikings va en perdre 8, va perdre 8 points. Voilà, vous allez. La map bougera, comment dire, interagira en fonction. Évoluera en fonction des. En fonction du. Du schmilblick et du, de ce que les joueurs auront fait. Et donc nous, bah, on va peut-être se mettre à jouer, hein, on va faire le Dominion. On va essayer de faire du JCJ ou du joueur contre IA. Bon allez, du JCJ, hein, parce que si ça jamais on n'arrive pas à se reconnecter, bah tant pis, on passera à du... voilà. C'est Raphin92 a rejoint la session. Voilà, alors je vais choisir mon viking. Il a plusieurs talents, de la hâte, accélère temporairement les déplacements, la mort programmée révèle la position de la cible, il baisse son attaque défense, le second souffle pour se healer et lancer un projectile. On débloque ça au fur et à mesure. Hop, j'accepte la carte. Je suis dans la team orange. La carte, voilà ce que je disais. Un coin à gauche, un coin à droite. Et un camp de chaque part. Et du coup, la zone A, B et C doivent être contrôlées. Le mieux contrôlé possible, évidemment. Alors je salue mes camarades qui m'ont rejoint. Que je ne connais pas, évidemment. Ce sont mes compagnons d'armes. On va bien voir ce que ça donne. J'espère que ce coup-ci ça va marcher, qu'il va pas y avoir de frise, de déco, etc. Mais j'aimerais quand même bien sortir ma vidéo. Pour vous offrir du contenu quand même. Voilà. Ça a déjà commencé, c'est parti. Nous on est les oranges. Pour l'instant, c'est les bleus qui dominent. Je suis arrivé en plein de court partie, on dirait. Bande de pleutres. Bon, bah, il a pas voulu que je réanime, lui. Je sais pas quoi ça sert. Il veut pas se faire réanimer. Tant pis. Bon, c'est une zone orange. Hein. Ah ben, je suis con, je suis bleu. Mais je suis pas bleu, je suis orange. Pourquoi je voulais réanimer un bleu, moi? N'importe quoi. Oh, je l'ai raté. Merde, faut pas taper ses amis quand même. Bon allez. Essayons d'aller prendre la zone A. Vous avez capturé la zone A. Voilà, c'est bien. Bon bah là, soit un contre un. Pas un contre un, trois contre un. Lâche-lui devant notre force. Voilà. Bon. Essayer d'aller me reprendre des points de vie. Pour l'instant, on a repris l'avantage. Je sais pas si vous avez remarqué. Arrivé à un moment, si on a trop l'avantage, il va y avoir un système de. Vous avez perdu la zone A. Pas grave. Un système de... comment on appelle ça? De mort subite. C'est-à-dire que... bah, les alliés seront en difficulté, il faudra pas, il faudra qu'ils restent le plus longtemps possible vivants. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui meurt, bah, il peut pas revenir. Nous avons mis en déroute.
hein, t'as bouffé toi. Je l'ai vu descendre. Aïe, mais ne tape pas du coup. Dans ton camp. Ah voilà. Là faut tuer leur héros. Mais me tue pas, mais il est con lui. Il y en a, ils sont. Ils réfléchissent pas, c'est pas possible. On a perdu B du coup, n'importe quoi. Mais d'où il me tape, espèce d'abruti. Il est con. Non mais franchement là faudra m'expliquer. Arrête tes conneries. Ah non, pas de problème de connexion, pitié. Il vient encore il vient enfin de capter qu'on était dans le même camp. Arrête de me taper. On n'est pas en déroute, si. Mort subite. C'est tendu, hein. Comment ils ont fait pour récupérer la zone C, ces enfants? Ah non, c'est à nous. Vous avez capturé la zone C. Il m'énerve le samouraï là. Victoire, je suis premier. Et un petit screen. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? Un home. Ok. Terminer deux parties en élimination, joueur contre IA. Terminer une partie en Rix avec n'importe quel héros. C'est des missions, ça faudrait que je vois. Ok. Hop. Du coup, je me mets prêt. On va y voir. Par contre, j'espère qu'il va pas encore essayer de me tuer l'autre, c'est complètement con. Vote de carte. Citadelle, c'est bien la citadelle. Pas quoi ça correspond ça là. La session court ne compte plus assez de joueurs. Retour au menu principal. Bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais regarder là? Triompheur de la Rix. Élimination. Terminer deux parties en élimination. Élimination, c'est où ça? C'est pas ça que je cherche. Bon, bon, on va refaire un Dominion. Hein. Du sanctuaire encore. Allez, on va jouer le chevalier ce coup-ci. Vous voyez les petits écussons là, c'est moi qui l'ai customisé au début. Je pense qu'on peut y revenir, tout le monde a customisé son écusson, vous pouvez remarquer là. Pile là.
Alors, samouraï, viking, samouraï, samouraï. Non, chevalier ou viking, samouraï, samouraï. Moi, chevalier. Samouraï. Ouais, y en a un qui vient de partir, qui est remplacé par Dio. J'arrive pas à voir ce qu'il a pris, lui. Bon, la carte, c'est la même, sauf que là, nous, on est les bleus. À se tromper de couleur. Évidemment, quand le jeu sera sorti, je ressortirai des vidéos, hein, que ce sera plus la bêta, quand il y aura vraiment tout, que ce sera fixé, que... J'arrive en cours de route pour changer. Alors, j'ai pas un chevalier, j'ai une chevalière. Les miens sont en train de se faire démonter la tête. Vous avez perdu la zone A. Comment ils ont fait pour nous reprendre la A? La A, elle est vraiment excentrée. Vous avez capturé la zone A. On va aller garder la B maintenant. Ah, 2 contre 1, c'est génial. Ça, c'est gros problème des joueurs contre les joueurs. C'est qu'ils vont toujours être 50 contre toi. Cette partie, hein, je pense. On a un gros retournement de situation. Il manquerait plus qu'il domine les trois zones, et là c'est foutu, il est mort subite. Vous avez capturé la zone C. J'ai perdu la zone A. La zone A, mais comment ils ont fait? Vous avez capturé la zone A. Oh, pff, je me suis fait démonter la zone. De remonter, il faut qu'on récupère. On garde le B, nous a bien fait mal. L'autre sur le A, là, nous a bien fait mal. Faudrait peut-être pas te tromper de cible, toi. Il va essayer de prendre la... Vous avez perdu la zone C. Comme
font mes coéquipiers. Là, si on meurt, on peut pas revenir. On est foutu. Vous avez capturé la zone C. On a gagné. Là. Tirez. Ouah, mais elle est sortie d'où, elle? Vous avez perdu la zone C. Non, putain, je vais faire perdre la zone C encore. Mort subite. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous avez perdu la zone A. Oh non. Contre un aussi, c'est pas top. Hein. Pas rien du tout non plus. Vous avez capturé la, la zone C. Non, allez, esquive. Oh. Premier de mort. Pourtant, on les domine. Je comprends pas, on a les trois zones. D'où on en déroute. On a quand même gagné, mais on est en déroute, quoi. Bon. Super plan sur mon cul. Mon dernier, ouais. Pas terrible du tout. Mais bon, c'est pas grave. Ah, gagner un plastron. Ouais, niveau 2. Gagner un symbole pour la customisation. Il est bien ou il est pas bien aussi, je veux pas l'équiper pour rien. Ah, c'est marqué. Bon, allez. Partie suivante. Vote de carte, on va prendre la porte de la citadelle ou le fourfu. La porte de la citadelle. Voilà. C'était pas terrible là, honnêtement, j'ai fait bien exploser la tête. Mais bon, c'est pas grave. Bah, ce qui est difficile,
c'est qu'on vous fait un tuto, on vous explique comment faire du 1 contre 1, mais quand vous êtes face à 3 persos, franchement, puis même dans le feu de l'action, vous ne pouvez pas dire... Bédu. Prendre le samouraï pour tester. Option audio. Désactiver le chat vocal. Comme ça on m'entend pas. Voilà, comme ça dans cette vidéo j'aurais testé le samouraï, le chevalier et le viking. Sur le Dominion. Prochaine vidéo, ce sera sur un autre mode de jeu, en fonction, je sais pas encore quand le faire. Ce, j'attends la sortie du jeu, est-ce que je le fais dans la bêta, je vais voir. Four, three, two, uno, go. Alors, un Sam, deux samouraï, une chevalière, un IA. Dans la carte. On est les bleus, on passe par là, ok. La plus chaude, ça va être la C à prendre. Quoique, ils arrivent bien à nous prendre la B, celle qui est le plus à côté de nous à chaque fois. 3 IA, les gens, vous vous découragez vite. Par contre, que ce soit des problèmes de déconnexion, si c'est possible. Bon, je contrôle, je maîtrise pas le jeu, hein, vous l'avez remarqué. Je suis en mode découverte, hein, même si j'ai fait des bêta tests et la test technique, le test technique et puis la bêta ouverte, fermée. Disons qu'il n'y a pas tout. Voilà. On va commencer à Chivarly quand ça charge comme ça. Vous avez perdu la zone, vous avez capturé la zone A. J'ai perdu la zone A. Mode fatigue. J'essaie de récupérer les points de vie. Les bleus, je m'en fous des bleus. Ah non, si, non, je m'en fous pas des bleus, moi. Vous avez capturé la zone A. Ah, c'était eux qui l'avaient, ça. Mais c'est pas possible, comment ils ont fait? Ils sont venus jusque là, déjà. Allez, je suis prêt à réapparaître. Respawn, go. On est les bleus, non? J'ai perdu la zone A. Vous avez capturé la zone C. Vous avez perdu la zone C. Oui, bon. Vous avez capturé la zone A. Je vois ça, on va la récupérer tout de suite. Hein. Vous avez capturé la zone C.
perdu la zone A. Ah mais ils ont vu toutes les zones quasiment, c'est pas possible. Fumigène dans la gueule, lui. Oh, réanime-moi, papa! Putain! Je sais pas lequel de nous s'est fait engueuler, là, mais. Faut se calmer un peu. Hein. On va se faire laminer là. J'ai perdu la zone A. Bon, allez. Mort subite. Mort subite, voilà. Ils m'ont même laissé mort, carrément. C'est une catastrophe. Vous avez capturé la zone A. Ah. Ouf. Non, ils sont déjà pas revenus à prendre, quoi. Ouais, d'accord, ok. J'étais très bien. Bande de débiles. Bon bah tant pis. On finit sur un caca. Hein, tant qu'à faire. Écoutez, je vais vous laisser maintenant. Je suis un peu dégoûté par cette fin de vidéo. Bah tant pis, hein, on fait avec. Histoire de connexion, machin, bidule. Alors que le jeu, il est pas boosté à fond, mais il tourne très bien comme il est. Là ça a dû, je sais pas, il a dû capter que soi-disant ça passait pas, je sais pas. C'est tant pis, c'est pas grave. Je pense pas que je referai de vidéo sur la bêta étant donné qu'il y a pas. Enfin ce sera mieux quand il y aura le jeu en entier quoi. Plus intéressant. Donc voilà, prochaine vidéo, donc celle-ci là ou à l'heure où je. À la date où je tourne, on est samedi, donc l'épisode sort, la vidéo sort dimanche, donc la prochaine vidéo après celle-ci ce sera lundi, et je ne sais pas encore sur quoi je la ferai, ce sera pas sur Steep, parce qu'au final le DLC Alaska ne sort pas, n'est pas sorti hier, il sort que le 24, ils se sont accordés du temps supplémentaire
pour le sortir, enfin pour que ce soit nickel. Ils ont des petits soucis, donc ils préfèrent le sortir une fois que ce sera opti. Donc voilà, donc je sais pas, est-ce que je vais continuer une série ou recommencer une nouvelle de Let's Play, je verrai. Enfin voilà, sur ce, je vais vous laisser, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.